Alors, il y aura une visite en Inde de Musk qui est prévue les 21 et 22 avril, apparemment. Il va notamment rencontrer le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Alors, le média indien a affirmé que Musk pourrait annoncer deux projets importants pour l'Inde. L'un des projets impliquerait Tesla, tandis que l'autre Starlink. Des rapports précédents suggéreraient que l'Inde chercherait à attirer un investissement important de Tesla, comme le laisse entendre la nouvelle politique en matière de VE, qui offre des incitations aux entreprises disposées à réaliser des investissements substantiels dans le pays. Semblable à Tesla, Starlink cherche également à s'implanter en Inde, mais son déploiement s'est avéré difficile. Selon CNBC, Starlink semble avoir reçu l'autorisation du gouvernement pour fournir des services Internet par satellite aux consommateurs nationaux. D'autres approbations seront également en phase finale. Musk a noté lors d'une récente session SpaceX que l'Inde est X-Space, pardon, SpaceX, que l'Inde est en train de devenir un pays de plus en plus important, c'est donc devenir un objectif idéal pour les entreprises comme Tesla. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde. En termes de population, l'Inde devrait avoir des voitures électriques, comme tous les autres pays en ont. C'est une progression naturelle que de fournir des VE Tesla en Inde. Ah oh bah je suis d'accord, hein. De toute façon ils vont finir en Inde aussi, avec des usines et tout. À terme, ça sera le cas. Et bon, il a Starlink dans sa manche aussi, Elon, donc il peut gagner aussi de l'argent avec Starlink. Donc voilà, bah, à voir ce que donne le rendez-vous.